Bonjour à tous, c'est Castilix et aujourd'hui on se retrouve pour notre petit let's play, la petite suite de notre jeu Alien vs Predator. Et oui, donc vous avez été plusieurs à me demander la campagne Alien puisque nous avons terminé cette petite campagne Predator. Donc bah, écoutez, on va aller se faire un petit tour et se prendre pour un alien comme ça. Je vais vous manger. Bon, désolé pour une petite personne qui m'a demandé de faire un let's play avec Dora l'exploratrice. Je n'ai pas encore trouvé ce qu'il fallait car je veux faire un truc énorme. Donc voilà. Et ah oui, si une petite chose, si vous me voyez un moment me lever et aller voir mon chat, c'est normal. Il n'arrête pas depuis tout à l'heure de miauler et ça me gonfle. Donc j'ai trouvé une petite solution pour le moment. Ouais, je suis l'ami des bêtes, donc un petit coup, et terminé, c'est fini, on n'en parle plus. Non, simplement, je rigole, je ne fais pas de mal à mon chat, je tiens à le préciser, je lui fais de gros bisous. D'ailleurs, j'ai oublié d'aller lui donner sa pâtée Whiskas, donc j'irai après. Eh bien, écoutez, on arrête de raconter n'importe quoi. Bon, j'aime mon chat quand même. Et on est parti. Ah, j'ai mis un petit continuer. Les humains ont déshonoré notre reine. Il y a un souci là. Ah non. Alors lui, il a une tronche de merde, déjà pour commencer. Puis alors, il lui met un espèce de god géant sur la poitrine. Non, désolé. Ça doit être, vous savez. Oh mon Dieu! Oh là là! Ah oui. C'est sexy. Y a personne qui peut t'aider, mon petit. J'aurais bien voulu, mais je ne peux pas. Je suis comme ça, moi. Oh là là, oui, ça va sortir! On se dirait dans. Enfin, on dirait qu'on est dans. Voilà, c'est bizarre. Oh, qu'il est beau! Une belle saucisse. Oulala. Oulala. Ça fait peur. Alors lui, il doit être sadomaso. Hein. Quand on voit le cuir qu'il a sur la tête, ça promet. C'est prometteur. C'est très prometteur. Je me demande ce qu'ils font aux aliens. Parce qu'ils gardent en captivité, mais qu'est-ce qu'ils leur font, ça, on ne sait pas. Numéro 6. Mais c'est le moins con de tous, la preuve, vous allez voir, puisque je vais l'incarner. Mais il est très intelligent, notre numéro 6. Regardez ça, il remonte par les amygdales. Ah oui. Je sors ma petite mâchoire. Ah. Au secours! Là, il hésite. Mais il hésite plus. Ah oui, j'appuie. Donc là, voilà. Oula. Monsieur Welland, en question. Bon, en tout cas, ils ont des tronches de merde. Bah alors lui, il rigole pas. Ah si, là, il a un petit sourire coquin. Oh oh, oh, oh. On dirait un pénis avec des dents, en fait. Et puis en plus, il a un numéro 6 gravé. Ouh. Ah là, il est moins beau, quand même. Enfin, si, j'ai la classe. Ouais, ouais. Ouh. Oui. C'est vrai. Tu te rappelles de ça? Nanananananana. Oui. D'accord. Alors en plus il me prend pour un con, hein. Je sais pas si vous voyez, mais il me prend vraiment pour un débile. Oui, allez, il est content. Oui, oui, bon c'est bon, je vais pas te faire ça 50 fois. Oui, c'est beau. Oui. Le prochain test.
Ils me libèrent. Ils ont pas peur. Une merveille xénobiologique. Yeah! Regardez, ces trucs se déplacent sur toutes les surfaces. Vous avez vu ça? Wow! C'est beau. Joli, numéro 6. Bon, j'aimerais bien me poser, voilà. Bon allez, envoie-moi de la viande. Ça, ouais, oui, je sais, regardez, hop, hop. Oh oui. Alors on a un petit sonar, ce qui est plutôt sympa. On dirait moitié un cheat. Comme dans Call of Duty, mais non. Un alien, ça a quand même certains avantages, même si c'est pas évident. On sait plus si on est sur le plafond, sur le sol. Des fois, c'est pas évident. Oui. Ouh, petit lag. Ah oui, je t'aime bien, toi. Ah, je vais te manger. Ça. Lui aussi, en plus, il est chaud. Tiens. Alors je lui fais un joli trou dans le crâne. Vous voyez, c'est beau, hein. Tiens, tu mérites de plus avoir de tête. Oh là là là. Ah oui, il faut éteindre les lumières. Hop là. Je dis tu t'étonnes, mon bleu. Non mais en plus, il me prend pour un débile. Tiens. Je t'en mettrai, moi. Tiens, je te la mettrai dans le cul, ma grande queue. Excusez-moi, aucune connotation sexuelle. Simplement, vous avez vu, j'ai une queue immense. Et je parle pas de mon organe reproducteur, si vous voyez ce que je veux dire. Ah ah ah! Ben, cours pas, mon ami. Oh, mais dis que... Tiens! Oh, tu vois, si on a un à foutre de ton contrat. Dans la tête. Alors. Wouhou! Ah oui. Bon, allez, toi aussi, je vais te refaire ta tête. Alors là, je lui ai niqué les yeux. Magnifique. Ah ouais. Oh la vache, quand il a volé le corps. Wouhou! Voyons, on s'éclate bien. Espèce de Georges. Ah, c'est Jacques là. Eh, mais je suis très intelligent. Ah, il y a la reine. C'est ma femme. Non, c'est ma mère. Je voudrais. Ah oui, on peut pas fuir tout de suite. Bon, ça, je sais. Oui, je sais. Et hop là. Et on se casse. Laissez-moi partir. Eh, je voulais pas être gazé, moi. Je suis gentil. Je suis un gentil monsieur. Donc là, voilà. On a acquis l'objectif. C'est parti. On rigole plus. Mais regardez, mais t'as vraiment une tronche de merde, hein. C'est vrai, il a une tronche de merde, non? Pff, tu vas me faire quoi? Oui, il va réussir à se branler. Excusez-moi. Je sais pas, ils sont tous en extase. Ouh, pas bon pour vous, parce que moi, m'occuper de vous. Restez calme, les amis.
Ouais, c'était calme, j'arrive, je suis gentil. Rassurez-vous, je viens en pote, venez donc par là. Tu mérites de décoller. Tiens! Alors. Ah, vous avez vu ça? Direct, je te mets dans le trou. Je rigole plus. Ah, faut descendre ici. Ah, mes amis, j'arrive. Voilà. Et clac! On sort la double mâchoire. Allez, mes fifilles. Allez, ma soeur. Donc, je te choue. Allez, venez les filles, on y va. Et vous avez un gros cul, hein. Ah, je m'éclate, moi. Oups, 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 oups. J'aime bien ça. Butch, je t'arrache ton casque, moi. Je suis un fou. Je suis un deuil. Ah, Blatch. Moi, je rigole plus. Moi, je suis un fou. Ah, ça, je veux. Ça, je veux. Ah, un petit bug. Dégage, mon saloperie. Pouah. Tiens, suce-la, celle-là. Cette bonne grosse queue. Trompage de bouton. Et claque. Hop là. Oh, la reine. Oh, la reine. Oh, mon Dieu. Je ne rigole plus, moi. Je libère ma maman. Ah oui, ma mère, c'est ma mère. Elle va s'arracher, là. Regardez. Ça rigole plus. Elle est chaude. Ah, oh, elle s'est arrachée le vagin. Excusez-moi. Je m'écarte un peu du sujet. Puis, à 50 bras, c'est génial. La reine est libre. Bien sûr qu'elle est libre. Ah, on est parti. Alors, alors. Qui c'est qui commande? Oh. Donc c'est quand même... Je tiens à préciser, c'est quand même assez chiant de contrôler l'alien, puisque quand vous vous accrochez sur les parois, il y a des fois où vous ne savez plus du tout où vous en êtes. Il y a quand même le réticule qui vous dit, mais des fois c'est pas évident. Donc bon, c'est... Ils l'ont vraiment bien fait, ils ont vraiment bien fait, parce qu'ils ont poussé le jeu, au moins notamment sur l'alien, à pouvoir prendre toutes les parois, etc, etc. Il y a vraiment une liberté de jouabilité énorme. Simplement, des fois, c'est vrai que à force, on en a la tête qui tourne. Eh bien, écoutez, voilà. Cet épisode est terminé. On a réussi le premier épisode.
Et je pense que je me suis pas trop mal démerdé en tant que alien. Ça faisait longtemps que je n'avais pas joué l'alien, donc j'étais content. Donc voilà, écoutez, je vous fais de gros bisous, j'espère que ça vous a plu, et on se retrouve pour le prochain épisode de l'Alien. En attendant, moi, je vais aller faire des caresses à mon chat, je vais aller faire des petits bisous à mon chat, et je vous dis à bientôt. C'était Castélix, ciao ciao mes loulous, je vous aime très fort. Ciao.